Le match Mahi RC Albi Olympique vient tout juste de commencer. C'est un match capital pour Mahi qui, nous le rappelons, pointe à la toute dernière place du classement, tout près de la relégation. Et c'est Mahi qui donne le coup d'envoi et se trouve maintenant dans le temps. Bah, où je suis là, moi? Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Belle attaque des trois quarts de Mahi, ils perdent le ballon, tout le monde se précipite. Non, attendez, c'est pas ce qui se passe. Non. Un spectateur qui était sur la touche a attrapé le ballon. Le match est interrompu. Ah ben, c'est moins une. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Allez, fichez-moi le camp. Oui, on repart. Et les grilles. Je m'en vais. Je suis plus là. De toute façon, j'ai pas envie de rester. Allez, hop. Pardon, je ne... Quelle mésentente entre le centre et son ailier qui rate le ballon. Pardon. Non, je ne veux pas vous déranger. En fait, ce serait plus pratique si on se décalait. Vous pouvez vous décaler un petit peu? Merci. Voilà. Une nouvelle touche gagnée par Albi qui fait encore une fois reculer Mahi. Alors, c'est quoi ma mission, moi, en fait? Mickaël Dabot, soigneur kiné Mahi Rugby Club. Je suis soigneuse kiné, moi. Ils ne vont pas être déçus du massage. Excusez-moi, pardon. Monsieur, s'il vous plaît. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore là? Tu vois pas que tu déranges tout le monde et que t'interromps le match? T'es vraiment relou, toi. Oh, vous savez parler aux femmes? Non, je voulais juste savoir, le Mahi Rugby Club, c'est lesquels? Tu m'écoutes bien? Ouais. Ok. Donc c'est les jaunes et bleus. Maintenant, tu te tais parce que c'est du sérieux. D'accord. Ok. Et c'est du rugby puisque ça s'appelle Mahi Rugby Club. Autrement, ça s'appellerait Mahi Football Club. Pénalité capitale pour Mahi. L'occasion de revenir au score avant la mi-temps. Le ballon est tapé et passe à côté des poteaux. Mais merde, il a foiré l'égalisation, ce con. Oh putain. Mahi aurait bien besoin d'un buteur qui marque. Un vrai bouffon, ouais. L'arbitre siffle la mi-temps, 15 à 12 en faveur d'Albi. Bon, je boule au moins. Pardon, excusez-moi. Bon, bah faut surprendre les gars, hein. Les trois quarts, faites votre boulot, la défense. Il y en a un qui va me le plaquer, leur putain de numéro 15. Et toi, Franck, tu vas me les mettre, ces points, oui ou merde? Bonjour tout le monde. Alors, vous n'allez pas venir nous emmerder ici aussi, vous? Non, mais c'est-à-dire que je suis votre nouveau kiné-soigneur. Bon, allez, faut pas rester là. Circulez. Mais vous cherchez bien un nouveau soigneur, non? Oui, Marco nous quitte après ce match, mais disons qu'on préfère un homme, hein. Allez, merci, au revoir. Attendez. C'est Fabien Galtier qui vous recommande? Ben oui, pourquoi? Ben, c'est juste que Fabien Galtier, c'est une légende, il peut pas vous avoir écrit ça, hein. Salut les gars. C'est Galtier, tu as vu, c'est pas la vie, c'est fou. Ah, ma Joséphine. Bonjour Fabien. J'espère que vous avez fait bon accueil à votre nouveau soigneur. Disons qu'on l'avait pas vraiment pris au sérieux, mais maintenant que t'es là, évidemment. Évidemment. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Joséphine fait des miracles. Bon allez les gars, c'est l'heure. Au boulot. Et on y gagne. On y croit. On y gagne. Allez, on se reprend. On se bouge, on se dépêche. Allez, bougez-vous. Allez, bon courage. Merci. Merci. Merci, parce que sans toi, je crois qu'il m'aurait trippé. Ils sont juste un peu machos sur les bords dans ce milieu. Mais je te devais bien ça. Il y a juste un petit problème, c'est que je connais rien au rugby, à mon avis. Ils vont vite s'en rendre compte. Au rugby, le plus important, c'est pas les règles, c'est le cœur. Et ça, tu n'en manques pas. Tu verras, d'ici peu, les joueurs vont t'adorer. Si tu le dis. Moi, faut que j'y aille. Tu m'excuses? Ouais, merci. Et bonne chance, hein, Joséphine. Ouais. Ah, ben, à bientôt. Si j'étais pas un ange, mon client. Les joueurs sont de retour sur le terrain, mais espérons que ces joueurs sauront faire preuve de plus d'unité qu'en première période, car je vous le rappelle, en cas de défaite, le club sera en très mauvaise posture. Qu'est-ce que vous faites?
putain, c'est n'importe quoi là. C'est lequel joueur qui s'appelle Michael? Quoi Michael? Y a pas Michael dans l'équipe. Oh, vous êtes sûr? D'après toi. Enfin, une touche gagnée par Mailly. Belle attaque des trois quarts du MRC. Le capitaine Adrien Bonnat va-t-il marquer l'essai? Mais non, il est plaqué violemment. Soigneur. Il est à terre. Il est sérieusement touché. Oh, mais qu'est-ce que t'attends là? Vas-y. Bah, il veut y aller, lui. Bah non, maintenant qu'on a un super soigneur recommandé par M. Fabien Galtier lui-même, on va pas s'en priver, allez. Bon, et ta pharmacie? Oh, pardon. Hein? Ça peut servir, peut-être. Dépêche-toi, c'est peut-être grave. Allez, cours, cours. Ça va, tu peux bouger? Il essaye, mais faut changer. Bah, j'avais vu. Attends. Remplacement. Ah, là, faut qu'il sorte pour les soins. Oui. Changement. Adrien Bonnat quitte le terrain. S'il faut le remplacer, on ne voit pas comment il va s'en sortir. Il y a du sang. Il y en a un petit peu. Enfin, il y en a même. Ça coule encore. Bon, il n'y a pas d'autre solution. Je crois que ça va être bon. Ça y est, c'est beaucoup plus. C'est ça de voir, d'ailleurs. Il avait raison, Fabien Galtier. Hein. Tu fais des miracles. Ça va? Ça va. Tu te sens? Viens. Ah. Un pec, coach. Un pec. Ça faisait fou, je veux dire. Tu m'étonnes. Nous vivons les dernières secondes du match. L'arbitre siffle et une nouvelle défaite pour Mailly qui n'a plus gagné depuis 2 mois. On dirait qu'on a perdu, non? Ouais, on a perdu. C'est sympa comme ambiance. On s'est fait humilier sur notre propre terrain. Et en plus de ça, on se retrouve dernier du championnat. Bravo les gars. Si vous jouez aussi mal la semaine prochaine, on est sûr, mais alors sûr de perdre le match. Et ça, c'est la relégation. Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne serez plus des pros. Vous ne serez plus que des amateurs. Pardon. Alors cette semaine, on a vraiment intérêt à se défoncer. Bonjour, on n'a pas eu le temps de se présenter. Je suis Joséphine, la nouvelle soigneuse. Vous connaissez pas un certain Michael? Allez, c'est bon, à la douche. Je crois qu'ils ont oublié leur short. C'est catastrophique. On est dernier, il reste plus qu'un match pour éviter la relégation. Je sais bien, Président. Ça suffit pas de savoir, Denis. T'es entraîneur, faut réagir. N'oublie pas que si l'équipe est reléguée, je pourrais plus te garder comme entraîneur. Il a l'air d'avoir des soucis, le Denis. Bon, ça me dit pas où est mon Michael, moi. Michael? Vous êtes Michael? Non, moi c'est Pierre. Je suis le demi d'ouverture. Enfin, vous avez dû repérer ça pendant le match. J'aurais besoin d'un massage. Ici, là. Eh ben, je suis là pour ça. Là, tu vas prendre froid. Voilà, c'est mieux comme ça. J'ai super mal au dos. Il faut vraiment que tu me débarrasses de ça. Bah, ben, je suis là pour ça. Hein. Voilà. C'est parti. Je t'avais demandé un massage, hein. Pas des châteaux. Ben oui, mais il faut le temps que les doigts chauffent, parce que là, c'est la méthode douce, mais... Ça va, c'est pas trop fort? Non, c'est parfait. Voilà, relax, souffle. Prodigieux ton massage. Hein. Et t'as vraiment des doigts de fée. Hein. Merci. Chin, chin, chin. Joséphine, je te présente Alexandra. C'est ma petite amie. Ah, vous êtes ouais. Enchantée. Tu fais gaffe, hein, les journalistes sportifs, alors fais attention à ce que tu lui dis.
ben voilà l'autre mal poli qui m'a traité de relou. Excusez-moi deux minutes. Salut, je suis Mickaël. Mickaël Dabo. C'est mon client. Ok, t'es Mickaël et alors? Ça vous dit rien? Gers vous a pas parlé de moi? Gers, non. Tu me laisses terminer ma conversation maintenant? C'est qui Gers? C'est l'ancien entraîneur de la Mercy. Un mec génial. Quand il a quitté le club, il a décidé de faire découvrir le rugby aux jeunes des Saules. La cité la plus difficile de Mailly. Ah, d'accord. Et il est où? Il est mort d'un cancer il y a un mois. C'est bon. On peut rien faire, nous. Écoutez. Gers pensait que je pourrais devenir pro et intégrer le MRC. Il devait vous appeler pour qu'on se rencontre. Mais il n'a pas eu le temps, désolé. Bon, alors quand est-ce que vous venez me voir m'entraîner avec mon équipe? Pourquoi faire? Pour voir ce que je donne sur un terrain. Écoute, t'es gentil, mais en ce moment, j'ai pas le temps. Et de toutes les façons, je recrute que dans les centres de formation, les clubs pro, pas les associations de quartier. C'est parce que je viens des Saules que tu me jettes comme ça? Mais ça n'a rien à voir. Je te dis juste que le MRC, c'est un club de pro, c'est tout. Des pros, tu parles. Mais ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un match, tes champions, hein? Franchement, ils jouent comme des gonzesses, ils font peur à personne. Oh, je l'aurais pas dit comme ça, moi. Je te conseille de la fermer avant qu'on s'énerve, là. Quoi, c'est toi qui me parles, là? Le buteur avec tes pieds carrés, tu crois que tu vas m'apprendre le rugby à moi? Mais va plutôt t'acheter une paire de lunettes parce que t'as un sérieux blême au niveau du viseur, mec. Petit con! Ça suffit maintenant! Franck, tu te calmes. Toi, tu dégages. Mais t'es qui, toi, pour me donner des ordres? Je l'aurais pas dit comme ça, non plus. André Laroche, le président du club. Alors, j'ai bien connu Gers. Il aurait honte de ton comportement. Maintenant, je te conseille de déguerpir ou j'appelle la police. Ok, ça va, c'est bon. Je me casse. Bon, à bientôt. À bientôt. Hey, Mickaël, attends. Ah non, pas toi, hein. Je suis déjà assez énervé comme ça. Hein. Pourquoi tu les as provoqués comme ça? J'avais remarqué que t'étais énervé. Hein. C'est eux qui me cherchaient. Mais où tu vas, là? Je vais m'entraîner avec mon équipe. L'équipe que Gers a formée dans ta cité? Ben ouais. Je peux venir avec toi? J'aimerais bien voir ça. Sérieux? T'es bien la seule que ça intéresse. Parce que pour tes potes du MRC, on n'est qu'une bande de nazes. Oui, mais moi je m'appelle Joséphine. Bon, mec Joséphine, faut que je passe chez moi prendre des affaires. Super, je ferai jamais rugbyman, moi il court trop vite. Hein. Attends, tu vas passer en plus. Attends, tu vas passer. Oh, t'es bon, toujours aussi bon. Ça va, t'as rien perdu, hein. Tu t'améliores en plus. Hé, mamie d'arpin. Mais pourquoi t'as arrêté le football? Je comprends pas. Pour le rugby en plus. En plus, c'est pour ballon, il est même pas rond quoi. Attends, les mecs ils avancent sur des passes en arrière. En plus, tu fais pas de thunes dans ce milieu, mon vieux, rien à voir avec le football. Le rugby c'est pas un sport pour nous quoi. Tu feras jamais carrière. Oh les gars, ça fait 3 ans que j'entends ça tous les jours. Vous n'avez pas marre de vous répéter, sérieux? Eh, mais si on dit ça, c'est pour toi, mon vieux, waouh! C'est pour ton bien. Bonjour mon chéri. Bonjour. Ça va? Ça va. Tiens, je te présente Joséphine, elle bosse au MRC. Bonjour madame. Bonjour. Le MRC? Eh oui, le club de rugby Mailly, je t'en ai parlé plein de fois, tu pourrais faire un effort quand même. Ah ouais, excuse-moi, tu sais bien que j'y connais rien, tout ça. Non, c'est pas grave, je vais me changer. Je vous offre un petit café? Oh, je pense pas qu'on ait le temps parce qu'on repart tout de suite à l'entraînement. C'est pas facile pour lui depuis que Monsieur Gers est mort. Mickaël est le seul à croire encore à cette équipe. Ah oui, mais c'est un vrai passionné, hein. Vous pouvez le dire. Heureusement qu'il a ça dans la vie, ça lui évite de faire des bêtises. De traîner, comme son frère. C'est lui sur la photo? Oui, c'est Eric. Et il habite avec vous aussi? Non, il est à Fresnes, la prison. Il en a pris pour 2 ans pour braquage. Ah bah, je suis désolée. Asseyez-vous. C'est pour ça que le rugby, c'est si important pour Mickaël. Avant de rencontrer Monsieur Gers, il avait la rage, comme son frère. Toujours en colère contre tout. Oh, il lui arrive encore de s'énerver, hein. Oui, c'est vrai, mais il a des excuses. Son frère et lui, ils n'ont pas connu leur père. C'est moi qui les ai élevés, comme j'ai pu. Mais on n'avait pas grand-chose pour vivre. Bah, je comprends. Heureusement, Monsieur Gers, il a fait comprendre à Mickaël que ça servait à rien d'en vouloir à la terre entière. Qu'il pouvait faire quelque chose de sa vie avec le rugby. Seulement, maintenant qu'il est parti, j'ai peur que Mickaël n'y arrive pas. Il est tout seul. Non, il n'est pas tout seul. Vous êtes là, et moi, je suis là aussi, maintenant. Vraiment? Vous pensez que vous pouvez l'aider? Bah, en tout cas, je vais essayer. On y va? Je la bois. Il court toujours là. Au revoir et merci. Au revoir. J'arrive. À tout à l'heure. Je comprends pas, les autres joueurs devraient déjà être là. Bah, ils vont peut-être pas tarder. Ouais, bah, du temps de Gers, ils arrivaient toujours à l'heure. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je vais commencer sans eux. Eh ben, on va voir ce qu'ils donnent. Enfin, je vais essayer parce que de toute façon, j'y connais rien en rugby.
pas mal, même si je connais rien, il a l'air doué. Doué. C'est à cette heure-ci que tu te pointes ? Ils t'aient même pas en tenue. Michael. Ils sont où les autres ? Ils viennent pas. Et pourquoi ? C'est fini, Michael, ils m'ont chargé de te le dire. Je comprends pas, là, qu'est-ce qui est fini ? Mais l'équipe, voyons, elle est morte avec Gers, y'a que toi qui refuses de le voir. Mais non, les gars, faut qu'on continue à se battre tous ensemble. C'est vrai, si on garde notre niveau, on va pouvoir trouver un sponsor et continuer. Mais continuer quoi ? À s'entraîner 3 fois par semaine pour que dalle ? On deviendra jamais pro, faut voir la réalité en face. On peut y arriver, je le sais. Écoute, je viens de trouver un taf, faut que je me concentre là-dessus. Et c'est pareil pour les autres, voilà. Je croyais que cette équipe, c'était notre rêve à tous. Non, c'était le tien, et celui de Gers. Nous, on a suivi tant qu'on a pu. Et maintenant, tout le monde me laisse tomber. On pourra toujours continuer à jouer de temps en temps, pour le fun, mais... Michael, c'est pas contre... Je t'ai dit de te tirer. T'y attendais pas ? Si. Mais du temps de Gers aussi, ils avaient des coups de blues. Sauf que lui savait leur parler. T'as fait ce que t'as pu ? Ouais, mais apparemment ça n'a pas suffi. Regarde, je me retrouve tout seul comme un con. Mais faut pas te décourager. Je t'ai vu jouer. C'est fou le talent que t'as et Gers avait raison de croire en toi. Sauf que tout le monde s'en fout. T'as vu l'entraîneur du MRC ? Mais alors, il y a d'autres clubs, il y a d'autres entraîneurs, t'iras les voir. Mais ça va rien changer. Pour ces mecs-là, je suis quoi ? Je suis un mec de cité. Et les mecs de cité, c'est des joueurs de foot, pas des joueurs de rugby. Sauf que toi, le rugby, tu l'as dans la peau. Ouais, et ben c'est bien ça qui me fout les boules. Tu vois, le rugby, c'est la seule chose de bien que j'ai dans la vie. Et personne ne me donnera ma chance. Au fond, c'est mes potes qui ont raison. Faut que j'arrête de rêver. Le rugby, c'est fini. Mais attends, je vais t'aider, moi. Je sais pas comment, mais je vais trouver un moyen de te faire intégrer le MRC. Ah ouais, pourquoi tu ferais ça? On se connaît même pas. Bah parce que je trouve injuste qu'on reconnaisse pas ton talent, et la justice, c'est un truc qui m'énerve. T'es sympa, mais laisse tomber, ça marchera pas. Laisse tomber, ça marchera pas. Ça a 22 ans et c'est pessimiste, j'y crois pas, là. Michael, ça va pas? Ça s'est pas bien passé, l'entraînement? Fous-moi la paix, tu veux? Ah bah te voilà, t'es en retard, hein. Va falloir t'acheter un réveil, toi. Non mais j'en ai un, mais j'ai eu un gros pépin parce que la petite aiguille elle est comme la grande et quand ça fait sonner, ça, normalement ça fait... Joséphine, allez dépêche-toi. Les joueurs t'attendent avant l'entraînement. D'accord, je me change et j'y vais. Allez. Je vais me réveiller. Non, c'est pas un cauchemar. Coïe, pas qu'à l'envers ! Aïe ! Volité ! Volité ! Cabaou ! Vila partia ! Partia ! Voilà ta carte de Comment tu l'as trouvé, notre cas de bienvenue? T'as pas eu trop peur? Non, pas du tout. Non, pas du tout. On est copains. Ah. Bon, ouais, allez, encore un peu plus fort, les gars. Un peu plus fort. Attention. C'est vous, tout ça, c'est vous.
Allez, du nerf. Ah ben moi je trouve pas ça mou. C'est bon les gars, merci, ça suffit pour aujourd'hui. J'ai pas trouvé ça très bon, moi. Ça va pas? Je sais pas quoi faire. C'est une bonne équipe, mais... ils ont perdu la rage de vaincre, tu vois. En plus, ils perdent le prochain match, ils redescendent en fédéral. Ah, et toi, tu perdras ton poste. Ouais. Après ça, plus personne ne me fera confiance pour entraîner une équipe. Tu sais, j'ai pas de femme, pas de gosse. Ce job, c'est toute ma vie. Mais pourquoi tu mets pas un peu de sang neuf dans ton équipe? Recrute des jeunes et tu les testes à l'entraînement? Non, on a ni le temps ni l'argent pour faire venir des joueurs confirmés. Et puis tu sais, nous ce qu'il nous faudrait, c'est un joueur qui fasse des miracles. Un type qui soit capable de marquer dans n'importe quelle position. Et si ce type, il existe, c'est pour MRC qui va venir signer. Faux, moi j'en connais un. Il est génial. Et en plus, son rêve, c'est de travailler avec vous au MRC. Ah ouais? Et comment il s'appelle, ton Ozora? Michael Dabo. Jamais entendu parler. Si, en fait, c'est le jeune qui a été entraîné par Gers. Attends, tu me parles de ce voyou qui est venu l'autre jour? T'es pas sérieuse, là? T'as vu comment il était arrogant? Avec quel culot il m'a parlé? Je sais pas, non, t'exagères. Oh, j'exagère? Ah ouais? Ton Michael, là, je sais pas comment il s'appelle, il débarque comme un prince, il exige que je vienne le voir jouer, et quand je refuse, il se met carrément à tous nous insulter. Attends, il s'est senti agressé, il a mal réagi, moi j'aurais fait exactement pareil. Ah oui? La première qualité chez un rugbyman, c'est de savoir se maîtriser. Mais sur un terrain, il est complètement différent. Il est calme, il est concentré. Et en plus, c'est vraiment un bon. Rappelle-moi une chose. C'est quoi ton job, déjà? Eh ben, kiné-soigneuse. Eh ben voilà. Tu te contentes de faire ton boulot, tu me laisses m'occuper du mien, d'accord? Joséphine, je crois que je vais avoir besoin de tes massages miracles. Et ça risque de pas beaucoup plaire à Alex, ça. Hein? Ouais, t'as raison. D'ailleurs, faut que j'aille, je vais la retrouver. Ciao. Salut. Ciao, à demain. C'est la première fois que je vois aussi accro à une fille. Avant elle, c'était une meuf toutes les semaines. Ah ouais, c'est un tombeur, votre capitaine. Franck, rentre chez toi, faut que tu sois en forme pour demain. Pierre, tu peux passer dans mon bureau avant de partir? Ok, coach. Comment il me parle, Denis? J'ai l'impression qu'il m'en veut, non? Mais non. Tu te fais des idées. Allez, à demain. En plus. Salut. Ils sont sympas, tous ces joueurs, mais ils vivent sur une autre planète que Michael. Pour les faire se rencontrer, ça va être coton. À moins que... J'étais sûre de te trouver là. Comme quoi, t'as pas renoncé. C'est quoi la musique que t'écoutes? Gers m'avait passé du Mozart, mais c'est pas ma cam. Ah, t'as tort, tu devrais réessayer Mozart. Parce que je peux te dire qu'avec Wolfgang, vous avez plein de points communs. Comme lui, t'es un chien fou, t'écoutes personne et t'es super doué. Ah ouais, parce que tu l'as connu peut-être. Ah bah tiens, je peux te dire que la petite musique de nuit sans moi, toc toc. Je rigole. Non, mais j'ai lu plein de trucs sur lui. Tu connais le proverbe, si tu ne viens pas à Lagardère viendra à toi. Qu'est-ce que tu racontes là? T'as fumé avant de venir ou quoi? Viens, je t'expliquerai en route. Je peux pas devenir le buteur de l'équipe. J'ai pas les qualités pour, et puis Franck va l'avoir mauvaise. Il peut l'avoir mauvaise, il a fait une saison catastrophique. Et qu'est-ce qu'on pense Adrien? C'est quand même lui le capitaine de l'équipe. Franck est son meilleur pote, il le protégera jusqu'au bout. Écoute Pierre, si je trouve pas un autre buteur, on n'a aucune chance de gagner le prochain match. Aucune. Je regrette, coach. Mais je suis pas celui que vous cherchez. Oh, pardon, je vous dérange? Non, on avait fini. Un petit lait fraise? Enfin, ou autre chose, on va boire un coup? Pourquoi pas. Hé, ce type-là, c'est pas le jeune qui s'entraîne avec Gers? Ah ouais, on dirait. Attends un peu, tu vas voir comment je vais le faire dégager, celui-là. Ça va? J'ai une crampe, là. Tu veux que je te masse? Non, c'est bon, ça va passer.
Hey, t'as vu ça? Ouais, c'est pas mal. Comment ça, pas mal? Disons que c'est la chance du débutant. Mais attends-moi qu'ils en fassent un deuxième, regarde. C'est plus de la chance, là. C'est carrément du pur talent. Ouais, c'est pas mal. Je t'ai permis de venir ici, toi. C'est un stade privé. Ouais, c'est bon, je me tire. Attends, attends. Pierre. Tu veux lui taper quelques chandelles. On va voir s'il est capable d'attraper le ballon, aussi. Eh ben, on dirait que ça se passe bien. Ok, c'est bon. Michael, tu défends contre Pierre. Allez. Ouais, ok. Cette fois-ci, Michael, tu attaques. Il est bon, hein, quand même. Hein? Ouais. Salut, Pierre. Merci. Tout plaisir était pour moi. Salut, Pierre, à demain. Salut. Salut. Bon, écoute, c'était pas mal. Pas mal du tout, même. Tu pourrais faire un arrière correct, mais je doute que t'aies le bon esprit pour jouer dans notre équipe. Mais c'est quoi le bon esprit? Le bon esprit, c'est le courage, l'abnégation, la générosité. Être capable de se sacrifier pour son équipe, jouer pour ses partenaires et pas que pour sa gueule. Et vous croyez qu'il nous a appris quoi, Gers? Écoute, Gers était un mec formidable. Mais ce que j'ai vu, moi, surtout, c'est comment tu t'es comporté l'autre jour après le match. Ouais, j'aurais peut-être pas dû m'énerver, mais... J'ai pas supporté que vous me traitiez comme un moins que rien. Bah oui, essaye de le comprendre. Tu peux pas le juger là-dessus. Ah bon? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Ce que je sais, c'est que tu perdras ton poste d'entraîneur si vous gagnez pas le prochain match. Et pour le gagner, vous avez besoin d'un buteur de la classe de Michael. D'accord. Je vais convaincre le président de te prendre à l'essai jusqu'au prochain match. Entraînement demain matin à 9h. J'y serai. Ah, et puis, merci. Merci. Le meilleur, c'est me donner enfin ma chance. Je vais enfin jouer avec des vrais pros, j'arrive pas à y croire. J'avais dit qu'on y arriverait. Mais maintenant, faut que tu fasses profil bas. Pourquoi tu dis ça? Parce que les joueurs t'accepteront jamais si tu changes pas d'attitude. Alors tu oublies les provocations, les insultes et tu les joues cool. Ouais, bah Gers, lui m'acceptait comme j'étais. Sur le terrain comme dans ma vie. Oui, je rappelle qu'avec Gers, tu jouais avec tes potes, là tu joues avec des pros. Et une équipe soudée depuis des années. En plus, tu menaces Franck, le buteur en titre de l'équipe. Ouais, bah compte pas sur moi pour m'écraser devant ce bouffon. C'est pas de ma faute s'il a les pieds carrés. Comment ça fait plaisir de te voir, Eric, franchement. Sans toi, c'était plus pareil. Hein. Eric? T'es sorti? Libération conditionnelle. Putain, mais pourquoi tu nous as pas prévenu? On serait venu te chercher. Je voulais vous faire la surprise à toi et maman. Putain, quand elle va te voir, mec. On y va? Attends, je te présente une copine. C'est Joséphine, c'est grâce à elle que je suis rentré. Merci. Bonjour, je vais peut-être vous laisser en famille, non? Non, non, viens, viens. Alors comme ça, vous avez fait rentrer mon petit frère au MRC? Pour l'instant, il est à l'essai, mais je suis sûr qu'il va faire ses preuves. Ils vont pas tarder à me titulariser. Je vais passer pro. Un vrai rugbyman. Et dites-moi, il y a combien de mecs de cité dans l'équipe? Pas beaucoup. Même pas du tout. Et ici, au sol, vous en avez vu beaucoup, des supporters de votre club? Mais pourquoi vous me posez ces questions? Parce qu'il faut arrêter de mettre des conneries dans la tête de mon frère. Le MRC, c'est bon pour les fils à papa. Jamais ils accepteront un mec des saules. Te mêle pas de ça, Eric, c'est ma vie. Non, mais attendez, je pense que vous vous trompez. Les mentalités ont évolué. Maintenant, un jeune des cités qui a envie de s'en sortir, eh ben, il a accès à des métiers qui étaient fermés jusqu'à maintenant. Il y a des profs, il y a des avocats, il y a des... Vous faites chier vos discours. Eric! On va faire un tour.
Je préfère pas. J'ai mon premier entraînement pro demain. Attends, je sors de tôle, là, on va fêter ça. Je t'ai dit que je veux pas sortir ce soir. Faut pas lui en vouloir, il a jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Et moi, j'ai pas dû savoir l'aider. Arrête. T'as fait tout ce que t'as pu. Tu t'es toujours battu pour nous. Et on peut rien changer, ni Eric, ni moi. Maman. Mais elle va pas me simplifier la mission, hein, grand frère. Bonjour. T'es venu assister à l'entraînement de ton champion? Ah non, je dois surtout écrire un article sur la préparation de l'équipe au prochain match. Ouais. On va sur le terrain? Elle est jolie. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Et moi. Je l'adore. Elle et moi, c'est du sérieux, je crois. Ah, bah tant pis pour moi. Non, je rigole. Bon, les gars, vous vous rappelez certainement de Michael et de sa petite intervention très remarquée après notre dernier match. Se trouve que depuis, Denis l'a vu jouer et qu'il l'a trouvé suffisamment bon pour qu'on lui donne sa chance. Mais j'y crois pas, là. Alors non seulement il vient nous insulter chez nous, mais en plus pour le remercier, vous le collez dans les pattes. Je ne t'ai pas demandé ton avis, Franck. Mais ce mec, c'est un tocard, il a jamais joué avec des pros, là. Franck, je te préviens, ma patience a des limites. De toute façon, on verra ce qu'il donne à l'entraînement. Viens parler, Adrien. Bon, on vous attend sur le terrain. Aujourd'hui, on travaille le remplacement. L'équipe d'Adrien est en défense et je veux une ligne infranchissable, pas comme dimanche dernier, ok? Allez. Faut avoir comme un bleu, hein. Michael, c'était très bien. Ouais, et ben Denis n'a pas perdu son flair, hein. Vraiment doué, ce Michael. Ah, c'est vrai qu'il est très doué. Ça fait longtemps que j'avais pas vu un joueur d'une telle classe. Il joue à quel poste? Arrière. Comme Franck, alors? Comme Franck, ouais. Bon, allez, on y retourne. Bravo, hein. Ça doit être pratique de courir aussi vite pour agresser les filles dans ta cité, là. Si tu me parles, toi, tu me connais pas. Les filles, je les respecte. Ah ouais, ouais, attends, attends, c'est les mecs qui te branchent, hein. Oula. Oui. Eh, oh, mais nous, là. Ouh. Hein. Eh, viens, on va faire des câlins dans les vestiaires. Viens, viens. Putain. Eh oh. C'est qui, là? Calmez, tous les deux, maintenant. Non, c'est lui qui m'agresse, là, le champion Timon, il vient m'agresser, là. Pas pour un con, tu veux? Allez, recule. Il est calme, toi. Attends, d'où il sort, celui-là, là? Allez. Allez, casse-toi. C'est marrant, je croyais que vous aviez plus d'humour que ça en banlieue. Je suis déçu. La banlieue, elle t'emmerde. Ouais. Et moi aussi, je t'emmerde. Non, mais, Michael, tu vas où, là? Chez ces mecs. Mais tu t'attendais à quoi? À ce qu'il déroule le tapis rouge, qu'il t'offre des fleurs et qu'il fasse venir les majorettes? Je t'avais prévenu. L'entraînement n'est pas fini, je t'attends sur le terrain. Pas tant que le bouffon s'est pas excusé. Écoute, je sais très bien que Franck t'a provoqué, mais ta rage, c'est sur le terrain qu'il faut l'exprimer, pas en fonçant dans l'art du premier imbécile. Ok? Moi, je te préviens, si t'es pas venu sur le terrain dans une minute, je vais plus te voir. Arrête avec ta fierté mal placée. T'as une chance unique de t'entraîner avec des pros et de leur prouver ce que tu vaux. Tu vas pas la laisser passer. Je veux des excuses. Ouais, et tu veux les laisser gagner, c'est ça? Montre-leur que t'es un rugbyman, un vrai et peut-être le meilleur d'entre eux. Tu penses ce que tu dis? Oui. Bravo, hein, t'as été top. Bonjour.
Je suis Alexandra Schneider. Je suis journaliste au quotidien local et j'écris un papier sur le MRC. Vous accepteriez qu'on fasse une interview? Ah ouais, qu'est-ce que vous voulez savoir? J'aimerais connaître votre parcours. J'avais beaucoup d'admiration pour Gers. Et puis j'avoue que j'étais très impressionnée par votre technique. C'est sympa, merci. Excusez-moi. Je vois bien le rapport entre le MRC et Michael, c'est ça? Il a juste fait un entraînement. Il n'est pas encore dans l'équipe. Ça, c'est à Denis et au président d'en décider. Moi, je suis sûre que son histoire intéresserait nos lecteurs. Si t'as du temps à perdre. On se voit toujours pour le déjeuner. Oui. Bon, on pourrait s'asseoir ici quelques minutes pour parler tranquillement. Donc, j'ai noté. Quelques mois. Il paraît que c'est grâce à toi qu'il est arrivé ici. Ah non, moi j'ai juste provoqué la rencontre avec Denis, mais après c'est son talent qui a fait le reste. C'est dommage. Je t'aimais bien jusqu'ici. Bon, et ben les ennuis continuent. Je savais pas que ça existait des filles comme cette journaliste. Je comprends pas ce que tu veux dire, là. Elle est belle, intelligente. Et puis avec elle, je peux parler rugby comme avec un pote. Oui, sauf que c'est pas un pote et ce sera jamais un pote. Alors tu oublies ça tout de suite. Pourquoi tu t'énerves? Eh, je te signale que c'est la petite amie d'Adrien. Il a pas du tout apprécié votre interview de ce matin. J'en ai rien à foutre de ce mec. Oh, bah t'as raison. C'est juste le capitaine de l'équipe. T'aurais tort de le ménager. Denis vous met la pression? C'est normal. Tu connais l'enjeu du prochain match. Je trouve quand même un peu dur avec Franck. Non, faut reconnaître qu'il est pas au top depuis le début de la saison, non? C'est quand même pas une raison pour le rendre responsable de tous nos mauvais résultats. Sauf qu'il est censé être le buteur de l'équipe et qu'il a pas réussi un tir ou un drop depuis des mois. Enfin, c'est facile pour toi de juger. Hein. Qu'est-ce que tu connais, la solitude du buteur, hein? T'as pas la moindre idée de la pression que ça représente. Oh, pardon, excuse-moi. J'avais oublié que c'était strictement interdit de critiquer ton pote. Moi, je suis quoi, une petite journaliste qui comprend rien à rien, c'est ça? Non. Excuse-moi, je suis un peu à cran en ce moment. C'est pas grave. Je sais que tu t'inquiètes pour Franck. Et Michael, qu'est-ce que t'en penses? Je trouve qu'il est plutôt doué. Enfin, ça collera jamais avec l'équipe. Pourquoi ça? Parce que c'est un individualiste, il pense qu'à sa gueule. Il a aucun sens du collectif. Tu peux pas décider ça après un seul entraînement. Il a su un peu de temps pour montrer ce qu'il vaut, non? Pourquoi tu le défends, toi? Tu le connais à peine, ce mec. Oui, c'est vrai que je le connais pas. Mais je sens qu'il a du cœur. Autrement, Gers l'aurait pas choisi. Mais je trouve qu'il a du mérite à s'être accroché comme ça au rugby. Tu sais, il m'a raconté. Il a vécu des moments très difficiles. C'est un baratineur. Il a dû inventer pour t'impressionner. Non. Il y a des trucs qui s'inventent pas. Ah ouais? Enfin, s'y raconte. Ça pourrait lui attirer de gros ennuis, alors tu me jures que tu ne le répéteras à personne. Qu'est-ce qui va pas, maman? C'est Eric. Il est encore sorti. C'est normal, ça, il a besoin de s'amuser un peu. Mais depuis sa libération, il rentre à la maison que pour se changer ou manger un morceau. Le reste du temps, il traîne dans la cité comme avant. Mais il cherche du boulot. Oui, mais avec son casier, ça va pas être facile. J'ai tellement peur qu'il refasse des bêtises. Je supporterai pas qu'il retourne en prison. Et lui non plus. Je vais m'occuper de lui. Il retournera jamais là-bas. Je te le promets. Je sais que je peux compter sur toi. Mais dis-moi, et toi, comment ça se passe pour toi? Très bien. L'entraîneur me fait confiance. Les autres joueurs ont vu que j'avais le niveau. Faut plus t'inquiéter pour moi, maman. Mon petit garçon. Ça va? Tiens, regarde ça. Ah, c'est l'article d'Alexandra sur les MRC. Et alors? Non, mais regarde l'encart en haut de page. Michael Dabo, la toute nouvelle recrue du club, est un jeune des Saules au passé déjà bien fourni, condamné notamment à une peine de prison d'un an sur un vol en Réunion. Ah merde, je te jure que je savais pas. Bah maintenant, on est tous au courant. Le président, je peux te dire, il est furieux.
Il est en pleine renégociation avec les sponsors du club et ça, ça risque de tout faire foirer. Alors qu'est-ce qui va se passer pour Michael? Le président veut plus qu'il s'entraîne avec nous. Il est viré? Ouais. Non mais c'est injuste cette peine de prison, c'est du passé. C'est bien, mais c'est de sa faute aussi. S'il nous en avait parlé, il aurait prévu une défense. Maintenant. Moi aussi, j'aurais bien aimé être prévenu. Comment je fais du bon boulot, moi, si on me dit rien sur mon client? T'es au courant? Je suis viré. C'est peut-être pas définitif. Tu parles. Denis était très clair au téléphone. Il a parlé à La Roche, il est furieux. Mais il peut encore changer d'avis. Arrête de rêver, c'est foutu, je le sais bien. J'ai vraiment été trop con de penser que ça marcherait. Je te signale que tu croyais pas que t'arriverais à rentrer au MRC, et tu y es. Quand je pense que tout ça, c'est parce que j'ai fait de la tôle. Oui, ça, entre parenthèses, t'aurais pu m'en parler. Oh, ça va, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et je devais juste faire le guet pour mon frère. Mais pourquoi t'es allé raconter ça à une journaliste? Et c'est bien foutu de ma gueule, celle-là. Tu vois, tout ça, ça devait rester entre nous. Elle voulait juste savoir comment j'avais rencontré Gers et... Attends, parce que t'as rencontré Gers en prison? Ben ouais, il venait chaque semaine nous apprendre à jouer au rugby et voilà, à ma sortie, j'ai continué avec lui. Il me faisait vraiment confiance. Ça avait l'air d'être quelqu'un de bien, ce Gers. J'aurais bien aimé le connaître. Ouais, parce qu'après ça, j'ai plus fait une seule connerie. Même pas grillé un feu en scout. Et t'as été bien con? T'as cru que si tu respectais bien gentiment les règles, que tu bossais dur, tu gagnerais ta petite place au soleil? Bah, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, non? Franchement, tu me fais pitié. Les mecs comme nous, ils doivent prendre de force qu'on leur donnera jamais. Jolie philosophie. Mais elle est peut-être pas jolie, mais c'est la seule qui marche. Il serait temps que Michael se fourre ça dans le crâne un peu. Ouais. Il a pas forcément tort. Bon, te décourage pas, je vais arranger ça. Allez. Fière de ce que t'as fait à cause de toi, Michael a été viré. Écoute, c'est pas moi. C'est mon rédacteur en chef qui a rajouté cette encarte dans mon papier. Je l'ai découvert que ce matin. Alors si c'est pas toi, comment il a eu l'info? Par Franck. Ce salaud a appelé au journal pour tout balancer. Et lui, comment il l'a su? Par Adrien. Je lui ai parlé du passé de Michael, il m'avait juré que ça resterait entre nous. Mais attends, t'es une journaliste professionnelle. Comment t'as pu balancer les confidences de Michael à ton petit copain? Je sais bien que j'ai eu tort, que j'ai fait beaucoup de mal à Michael avec toutes mes conneries. Mais je te promets que Franck et Adrien vont pas s'en sortir comme ça. Eh ben, y a intérêt. Va falloir que tu m'expliques. Y a rien à expliquer, ok? Ce type, il avait rien à faire dans notre équipe, c'est tout. Je regarde pas de l'avoir balancé à ton rédac chef. Dis plutôt que Michael te menaçait, que t'as trouvé ce moyen minable pour te débarrasser de lui. Pff, n'importe quoi. Bon, allez, calme-toi, Alex. Denis te garde comme arrière uniquement parce qu'il n'a pas de solution de rechange. Mais avec Michael, il avait trouvé sa solution. Bon, je préfère me casser que d'écouter des conneries pareilles, hein. Qu'est-ce qui te prend de lui parler comme ça? C'est mon pote. Ah, bien sûr. L'amitié virile entre potes. C'est tout ce qu'il y a de plus important pour toi. Plus important que la parole donnée. Plus important que de trahir ma confiance. Bah attends, arrête, ça va, c'est pas un drame. Mais pas pour toi, non. T'as juste gâché l'avenir d'un joueur talentueux qui cherchait à s'en sortir. Là, elle a pas tort, hein. Je m'en fous de ce mec, d'accord? Tout ce que je sais, c'est qu'il était à deux doigts de foutre le bordel dans mon équipe à la veille d'un match décisif. Alors si c'est pas Franck qui l'avait balancé, c'est moi qui l'aurais fait. Mais tu te rends compte de ce que tu dis là? Et moi qui pensais que t'étais un mec bien, mais elles sont passées où tes valeurs? Ta loyauté, ta franchise, ton honnêteté, elles sont où? Je bloque complètement là. Qu'est-ce qui t'arrive avec ce type? C'est son côté voyou qui t'excite, c'est ça? Ok, bon là je pense qu'on a plus rien à se dire. Arrête Alex, Alex! Tu as pas tout gâché à cause de ce mec. C'est toi qui as tout gâché. Bah, ça va pas arranger les affaires de Michael, ça. J'aurais besoin d'un petit coup de pouce parce que je sais plus quoi faire, moi. André Laroche. Waouh! Ça, c'est du lourd! Bonjour, Président. Oh, bah oui, je veux bien un petit café avec grand plaisir. Je peux avoir un café, s'il vous plaît?
tout cas, si vous voulez me parler de Michael, économisez votre salive. Parce que je vous préviens, je n'ai pas changé d'avis. Il remettra pas les pieds à l'entraînement. C'est injuste. Michael a payé sa dette. Il a fait un an de prison et depuis, il a une conduite irréprochable. Il a droit à une seconde chance, non? En tout cas, je ne veux pas le garder. C'est l'image du club qui est en jeu. Vous oubliez que c'est Gers qui est allé le chercher dans sa prison pour le former. Il voulait lui donner une chance de s'en sortir, de faire quelque chose de bien dans sa vie. Mais il a fait ça après avoir quitté le MRC. Du temps où il était notre entraîneur, mais jamais il n'aurait mis en danger le club pour un petit délinquant. Ben moi, je suis sûre du contraire. Et il serait là, il vous le dirait lui-même. Mais c'est un peu facile de faire parler les morts. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous l'avez même pas connu, Gers. Ah ben si, justement. Tenez. C'est quoi, ça? Ben lisez, vous verrez. André, dans quelques jours, je serai mort. Cette saloperie de crabe me laisse peu de temps et... c'est le moment où chacun se demande ce qu'il a fait de sa vie. C'est de Gers. Comment vous avez eu cette lettre? Ce serait trop long à vous expliquer. Ma vie, elle a commencé sur un terrain de rugby. Et elle se termine dans ce foutu hôpital. Mais je regrette rien, c'était une belle vie. La camaraderie entre joueurs, la solidarité, ça avait un sens pour nous. Alors, avant de partir, je voudrais te confier un gamin, le plus doué que j'ai jamais rencontré. La tête dure, mais du cœur et du talent à revendre. Autant que tu le saches, il a fait des conneries. Et puis de la tôle aussi. Il écoute une musique de dingue, il n'a pas les manières, comme on dit. Pourtant, je ne me suis jamais senti aussi proche de quelqu'un. Je te jure, André, il a tout ce qu'il faut pour devenir un très grand joueur. Il faut juste que quelqu'un lui tende la main. Ah, j'oubliais, il s'appelle Michael. Michael Dabo. Je compte sur toi, vieux. Je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je peux garder la lettre? Elle est pour vous. À plus tard. Qu'est-ce que tu fous là? C'est ta mère qui m'a fait entrer. Dégage, j'ai rien à te dire. Écoute, Michael, c'est pas de ma faute. Je suis désolée pour ce qui s'est passé, mais c'est pas moi qui ai écrit cet encart. La fuite, elle est venue de Franck et d'Adrien. Alors c'est quand même ta faute, parce que t'as écrit à la fermée devant ton mec. C'est plus mon mec. On a rompu. Ça change rien. C'est toi qui m'as foutu dans la merde. Je sais. Et c'est pour ça que je voulais m'excuser. Je sais ce que ça représentait pour toi d'intégrer le MRC. Tu méritais vraiment ta place. Et moi, j'ai tout gâché. J'ai été stupide. Allô? Oui. D'accord, je serai à l'entraînement cet après-midi. Merci. C'était le président Laroche, il passe l'éponge, j'arrive pas à le croire. Il m'a dit que c'est ce que Gers aurait voulu. Mais c'est génial. Je suis vraiment contente pour toi. Faut que j'y aille. Il va falloir que tu te méfies d'Adrien. J'ai rompu avec lui à cause de ce qu'il t'a fait et ça n'est pas pris de te le pardonner. Tu m'en fous? Bah t'as tort. Adrien est un enfant gâté, il ne supporte pas que le moindre obstacle se dresse sur son chemin. Puis il y a l'équipe derrière lui. Arrête, j'ai grandi dans la rue ici au Sceau là. Et j'ai fait de la tôle. Donc c'est pas Adrien et tes potes qui vont me faire peur. Bon, fais attention à toi. D'accord? On pourra se revoir? Ça serait pas une bonne idée. Je t'ai déjà attiré assez d'ennui comme ça. C'est gentil de t'inquiéter pour moi, mais je suis un grand garçon, tu sais. Je suis sérieuse, Michael. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Je prends le risque. À moi. Je comprends pas, j'arrête pas de lui laisser des messages, elle me rappelle jamais. Bah, laisse tomber, Adrien. On te méritait pas cette fille, tu ferais mieux de l'oublier. C'est facile à dire. C'est à cause de ce connard de Michael. Ben celui-là, au moins, on n'est pas près de le revoir. Hein. Ah, je voudrais pas être rabat-joie, mais... C'est pas vrai. C'est pas possible. Si t'es pas content, t'as qu'à dire au président. On n'est pas chargé de la réinsertion des tolards, ici. On n'en veut pas de ce mec. Ça suffit, Franck!
J'ai déjà beaucoup de mal à avaler que t'aies balancé le passé de Michael à la presse. Alors maintenant, tu fermes ta gueule et tu te prépares. Jamais j'aurais imaginé qu'un de mes joueurs soit capable de faire un truc aussi minable. Et top. Bon, et vous, là aussi, là, qu'est-ce que vous attendez? Allez! Tout le monde sur terrain dans 5 minutes! Je suis content que le président Laroche t'a réintégré. Merci. Et c'est bien ce que tu viens de faire. Ça va peut-être faire réfléchir les autres. Ne fais pas trop d'illusions. Ils vont rester solidaires de Franck et surtout d'Adrien. Mais tu peux les faire changer d'avis, les convaincre d'accepter Michael. Ah non, mais je peux rien faire. Adrien est notre capitaine. Tout le monde l'aime et la respecte. Même quand il a tort. Oh, pardon. Autour de moi, les gars. Bon. Aujourd'hui, entraînement en condition de match. Michael, tu joueras à l'arrière. Ça me va. S'il réussit son coup, là, c'est sûr, il me remplace au prochain match. T'inquiète, c'est pas encore fait, va. Ouais. On va le sécher. Bon, Adrien, à bas le resto orange. Denis, arrête ça tout de suite, ils vont le massacrer. Si j'interviens, ce sera pire. Ce passera pour un lâche qui a besoin de la protection pour s'en sortir. Oui, mais tu peux pas rester sans rien faire. Écoute. Le seul moyen pour Michael de se faire accepter, c'est de prouver que c'est un brave. Qu'il n'a pas peur d'aller au contact. Et que pour son équipe, il peut encaisser les coups sans broncher. Eh ben, à ce rythme-là, il va finir à l'hosto. Je te le dis, moi. Dégagez, dégagez. Ça va? Attends. Non, ça va pas, putain, regarde mon bras. Putain, il est pété. Il y a une fracture, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que c'est une fracture, ouais. On peut être sûr de rien tant qu'on n'a pas fait une radio. Bon, hein, je l'emmène à l'hôpital. Allez. Viens. J'espère pour vous que c'est pas une fracture. Allez, on repart de la mêlée. Je commence à avoir marre de vos conneries. C'est fini. Je suis hors course pour le match alors que c'était ma seule chance d'intégrer le MRC. Ma carrière n'a pas commencé qu'elle est déjà foutue. Mais attends, c'est peut-être pas si grave que ça. Mais bien sûr que si. Chut, on est dans cet hôpital. Putain, ces salauds ont obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Au fond, tu vois, c'est Eric qui avait raison. Les mecs comme nous, on peut pas s'en sortir en respectant les règles. Désolée, je suis désolée, je suis nue dès que j'ai appris. Quoi, franchement, j'ai pas besoin de ta pitié. Mais c'est pas la pitié, tu te trompes, c'est pas. Ah oui, c'est quoi alors? Qu'est-ce que tu fous là, Schneck? Tu voulais plus me revoir. Vas-y, barre-toi, sérieux. Franchement, tu vas avoir des trucs beaucoup plus importants que de rester dans cet hôpital. Elle méritait pas ça, franchement. Je sais. Mais moi non plus. Monsieur Dabo? Oui, c'est nous. Enfin, c'est lui. On va pouvoir passer à la radio. Moi, j'ai pas le droit de le guérir. Mais d'un autre côté, s'il peut plus jouer au rugby, sa vie est foutue. Alors? Aucun doute, c'est une fracture. C'est fini, j'ai plus mal. Radio pourtant sans appel. Regardez. Ah, je ne comprends pas. On ne voit plus rien. Je pourtant pas rêvé. Mais vous savez, des fois, le surmenage et le stress, moi, ça me fait ça. On pense que c'est fracturé, donc il y a une cassure. Mais en fait, c'est pas cassé puisqu'il n'y a pas de fracture. Vous pourriez me faire un certificat pour l'entraîneur, dire que tout va bien?
Ouais, je... Au revoir et merci. Oh, j'arrive pas à y croire, hein. La douleur. Elle a disparu toute seule, comme par magie. Bah, en fait, ça devait être psychosomatique. Enfin, c'était dans la tête. L'important, c'est que tu vas pouvoir reprendre l'entraînement. Ouais, et bah crois-moi que ces salauds ne sortiront plus jamais du terrain. Je tiendrai jusqu'au bout, même si je dois en crever. Attends, tu me fais peur, là. Joséphine, le rugby, c'est toute ma vie. Je laisserai personne gâcher ça. Personne. Et comment je fais, moi, entre un client kamikaze et une équipe de rugbyman qui veut sa peau? Faut que je trouve une solution, donc ça dégénère, là. Bon, Alex, j'en ai marre de tomber sur ta messagerie. Rappelle-moi, s'il te plaît. Alors, comment va ton petit protégé? Plus de peur que mal. Il sera en pleine forme pour le prochain entraînement. C'est impossible. J'ai vu son bras, il était cassé. Ça t'aurait fait plaisir, hein? Mais c'est raté. Je crois que vous allez devoir vous faire une raison tous. Parce que quoi que vous essayiez, vous n'arriverez jamais à détourner Michael du rugby. Parce que le rugby, pour lui, c'est pas seulement une passion, un sport ou un métier, c'est sa raison de vivre. Et vous pourrez rien contre ça. Arrête, tu vas nous faire chialer. Toi, ça va. C'est toi qui vas chialer. Si le président Laroche apprend ce que vous avez magouillé pour écarter Michael. Le président nous soutient tous. Ah oui? Bah peut-être qu'il changera d'avis. Quand il saura que vous avez volontairement essayé de bousiller sa nouvelle recrue. S'il me croit pas, Denis se chargera de le convaincre. Sans parler de la presse qui sera ravie de l'info. Tu nous menaces, c'est ça? Ouais, on peut appeler ça comme ça, oui. Non, attendez les gars, il reste quelques jours avant le prochain match. Reprenez l'entraînement, mais avec Michael. Et là, vous avez une chance de gagner. On n'a pas besoin de lui pour gagner. Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'il dégage, ok? Je vous aurais prévenu. Eh, au prochain coup bas, tout le monde sera ravi d'apprendre que les valeurs du rugby ne représentent rien pour vous. Et que vous en servez comme un paillasson pour essuyer vos crampons boueux. Eh ben mon vieux... Je peux te commencer à croire en miracle, moi. Mmh. Moi aussi. Salut, petit. Content de te voir en forme. Bon, l'entraînement commence bientôt. On y va, président, on y va. Michael. Maintenant que le président est là, je vais peut-être pouvoir souffler un peu, moi. Maniez-vous, les gars. Allez, on va se mettre en situation de match. De ce côté, l'équipe qui a joué les derniers matchs, pas de changement, sauf que Michael remplace Franck à l'arrière. Quoi? Et je ne veux pas de commentaires. Allez, on se prend place. Je t'aurai, toi. Bouffon, là. Putain, vous faites quoi, là? Ah! Désolé, mec. Fallait réagir plus vite la prochaine fois. Attends, ils seront pour qui? Hop! Denis, t'as vu le coup de pied du petit? C'est incroyable la puissance qu'il a. Ouais, il est pas mal. Comment ça pas mal? On a trouvé le nouveau Blanco, toi tu dis pas mal? En tout cas, c'est certain, faut qu'il joue samedi à la place de Franck. Techniquement, vous avez raison, président, mais... Mais quoi? Écoutez, mes joueurs, je les connais par cœur. Et je peux vous dire une chose, ils sont pas encore prêts à accueillir Michael. Comment ça, pas prêts? Ouais, vous savez bien, une équipe, c'est comme une famille. On peut pas remplacer un de ses membres aussi brutalement. Hein? Surtout si le capitaine et la plupart des joueurs s'y opposent. Mais je m'en fous de ces conneries. Le chef de la famille dans ce club, c'est moi. C'est moi qui leur donne à bouffer aux joueurs. Les paye pour faire du bon rugby et pour gagner. Pas pour avoir des états d'âme. Ah ben voilà. Joséphine, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Tu sais pas, j'aurais mis... Les joueurs ont besoin de toi au vestiaire, Joséphine. Allez. Je vais les chercher. Oui. Ok. Écoute-moi bien, Denis. C'est l'avenir du MRC qui se joue samedi. Et le tien aussi. Parce que si on descend, je devrais changer d'entraîneur. Michael est sans doute notre dernier espoir. Joséphine. J'y vais. Bon. Vous savez combien le dernier match de la saison est important pour la survie du club? Alors à partir de maintenant, vous ne devez avoir qu'un seul objectif, battre le Stade Biterrois. Rien d'autre ne compte que le match de samedi. Vous m'entendez? Rien d'autre.
Fini les états d'âme et les rancœurs. Tout pour la victoire. Denis, à toi de donner le nom des 15 joueurs qui auront l'honneur de défendre nos couleurs ce week-end. Bien. Voici la composition de l'équipe qui débutera le match. À l'arrière, Michael, Rosel, Adrien, capitaine avec Alex. Avec au centre, Patrick et Steve. Pierre à l'ouverture avec John à la mêlée. En troisième ligne, Manu en 8 avec Darren et Jean-Marc. En deuxième ligne, Brian et Luc. J'ai réussi. On a réussi, parce que je sais très bien que j'y serais jamais arrivé sans toi. Oui, c'est toi qui transpires et qui prends les coups. Moi, je suis juste là pour t'encourager. Attends, t'as fait beaucoup plus que ça pour moi, tu le sais bien. En tous les cas, j'ai l'impression que les autres joueurs ont intégré le fait que je remplace Franck. Ça, c'est pas ce qu'avait le président Laroche, mais je peux dire que j'ai vu certains regards. La pilule, elle passe pas du tout. T'inquiète pas, maintenant que je suis titulaire, ils vont bien être obligés de m'intégrer. Et samedi, on va tous se défoncer ensemble pour gagner le match. J'espère. Bonsoir, Laroche. Non. On va demander si gentiment. Bon, tu vas où, toi? Je vais à la salle de muscu. Mollo. Ouais, je sais, massage. Allez, on y va. The door, please. Thank you. Tu veux prendre ma place, c'est ça? Hein? Ah, vas-y, montre-moi ce que tu vaux, là. Je pourrais jamais soulever ce poids-là, arrête! Ah, tu fais moins le malin, là. Franck, tu me fais mal. Je peux plus respirer. Aide-moi. J'ai essayé de t'aider. Je t'ai dit de te casser de mon équipe, hein? Fallait écouter, pauvre con. Hein? C'est trop tard pour te plaindre maintenant. T'entends? Trop tard! Non, mais ça va pas, non! Mais qu'est-ce que t'as essayé de faire, là? Je sais pas ce qui m'a pris. Tu veux que je te dise ce qui t'a pris? T'as essayé de tuer Michael simplement parce qu'il t'a évincé de l'équipe. T'as rien pu faire contre son talent, alors t'as voulu le détruire. Et tu l'as fait comme un lâche à un moment où il pouvait pas se défendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, Franck, tu t'en exclus, c'est ça? Laisse-moi, là. J'ai envie d'être seul. Franck. Fous-moi la paix, je te dis. T'es content? T'as gagné? C'est lui qui a pété les plombs. J'ai jamais voulu que ça se termine comme ça. Bien sûr. Maintenant que tu vas aller porter plainte chez les flics, c'est ça? Non, tu vois. Les keufs, c'est pas ma cam, tu sais. T'inquiète. De toute façon, ça change rien. T'as bousillé la carrière de mon meilleur pote, et ça, personne ici te le pardonnera. Ni moi, ni aucun des gars de l'équipe. Mais j'y suis pour rien. Il peut pas m'en vouloir alors que j'y suis pour rien. C'est vous, les humains, vous êtes pas toujours très logiques, hein. Ok, le match a lieu samedi. Ils vont être obligés de s'entraîner avec moi en oubliant le passé. Je fais partie de l'équipe maintenant. Je l'espère, Michael. Sincèrement, je l'espère, mais... Alex, c'est moi. Écoute, Adrien, il faut que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Je dis que c'était fini entre nous. Écoute, il faut absolument que je te parle. Voilà, ça va pas fort en ce moment. Franck s'est fait virer de l'équipe. Il a complètement pété les plombs avec Michael. Quoi? Michael? Mais comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Franck a retrouvé Michael à la salle de muscu. Il l'a agressé. Mais Michael, il est pas blessé? Non. Non, il a rien. Mais moi, je suis au fond du seau. Écoute, j'aimerais vraiment te voir, si c'est possible, ne serait-ce que 10 minutes. Non, écoute, Adrien, ça servira à rien, d'accord? Et ne m'appelle plus, ça vaudra mieux.
Je suis nue dès que j'ai appris. Tu sais, je la voulais à la place de Franck. Mais je pensais pas que ce serait aussi difficile. C'est pas de ta faute. Franck a toujours agi sans réfléchir. C'était à Adrien de le retenir. Mais il t'en voulait trop. Il oublie pas pourquoi je l'ai quitté. Ouais, mais t'aurais mieux fait de rester avec. J'aurais eu beaucoup moins d'emmerdes. Sauf que ça, c'était pas possible. Pourquoi? T'avais plus confiance en lui? Pas seulement, non. Tu sais, quand on a fait cette interview tous les deux, et que tu m'as parlé de ta mère, de Gers, de la prison aussi, bah ça peut sembler complètement dingue. Mais j'ai envie de te prendre dans mes bras. Et je crois bien que c'est à ce moment-là que je suis tombée amoureuse de toi. Je comprends pas. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Parce que j'ai tellement eu peur quand j'ai appris que Franck avait failli tuer que je pouvais plus te mentir, c'était pas possible. Personne ne devra savoir pour nous deux. Surtout pas Adrien. Je te jure. Vous savez tous que j'ai exclu Franck. Vous n'avez pas le choix, ce qu'il a fait est inexcusable. Maintenant, une seule chose compte, gagner le prochain match. Il en va de la survie du club. Alors que cela vous plaise ou non, Michael sera l'arrière de l'équipe et notre buteur. Et je compte sur vous pour l'aider. Je dois y aller, mais je serai là après-demain pour le match. Et rappelez-vous, les gars, je compte sur vous. Bon, vous avez entendu le président? Alors maniez-vous. Entraînement dans 10 minutes. Non. Je refuse de jouer avec ce type. J'arrête, Manu. Franck a pété les ponts, c'est vrai. Mais c'est de la faute de Michael. Et ça, personne ne l'oublie. Bon, écoutez-moi. Franck est mon pote. Et personne ici le regrette plus que moi. Michael, vous savez tous ce que je pense de lui. Seulement, c'est un bon joueur. Faut le reconnaître. Et on a besoin de lui pour gagner ce match. Cette année, on en a bavé. On n'a jamais réussi à sortir la tête de l'eau. Mais si on gagne ce dernier match, alors on sauve la saison. C'est pour ça que j'ai décidé d'accueillir Michael pour ce match. Et je vous demande d'en faire autant. C'est pas possible, Adrien. Tu peux pas nous demander ça, pas toi. Si. Justement. Parce que c'est pour moi que c'est le plus difficile. Il a raison. C'est la seule chose à faire. Hein, oublier nos rancunes et tout faire pour gagner. Pff, toi, t'es dans le camp de Michael depuis le départ. Non, 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 y a pas de camp, MRC. Y a qu'une seule équipe. Et bon sang, on va le gagner, ce match, tous ensemble. Allez, les gars, venez. Merde! Oh! Venez là, venez là, venez là! Oh, la MRC, bim! Ouais, bim! Ouais! Écoute, je sais pas quoi te dire. Ben dis rien, et surtout pas merci. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour l'équipe, pas pour toi. Tu vas voir, tu le regretteras pas. Ouais, y a intérêt. C'est le dernier entraînement aujourd'hui, après demain, c'est le match. Alors, mais t'inquiète pas, je vais me défoncer. Ok. Allez, 5 minutes d'échauffement. Tu trouves pas bizarre ce revirement d'Adrien? Hier, il disait qu'il pardonnerait jamais à Michael l'exclusion de Franck. Écoute, ça prouve qu'il a réfléchi et qu'il a pris la bonne décision. Adrien peut te paraître arrogant, mais c'est avant tout un pro et un excellent capitaine. Et il a réagi en capitaine. Ah, hein, si tu le dis.
Tiens, c'est pour toi. C'est une boîte à laquelle j'ai envoyé un CV. Bah, tu l'ouvres pas? Pourquoi faire? C'est sûrement négatif comme les autres. On sait jamais. Monsieur Éric Dabo, nous sommes au regret de vous informer que votre candidature au poste à pourvoir n'a... Je suis désolé. Pas moi. Tu crois peut-être que j'ai envie de me taper un boulot de merde pour que dalle? Comme maman? Écoute, j'ai bientôt été intégré au MRC. J'aurai un bon salaire. Je pourrais vous aider tous les jours. Non, mais attends, tu peux te la garder, ta thune. J'ai jamais rien menti à personne, moi, surtout pas à toi. Maintenant que tu me fous la paix, tu veux? T'as l'adresse de l'hôtel? Bien sûr. C'est juste que je trouve ça bizarre qu'on dorme tous au même endroit ce soir. C'est normal avant un match aussi important, c'est toujours comme ça. On reçoit à l'heure. Avant le dîner, on a un briefing technique avec Denis, ça serait dommage de rater ça. Bon, bah, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je peux dire que tu me portes chance, hein. Ça, depuis que je te connais, il y a tout qui me réussit. Je suis arrière dans une équipe de pros, je suis amoureux. Comment ça, t'es amoureux? Ouais, en fait, tu vois, j'ai rencontré cette fille, on se connaissait pas, on venait du même quartier, puis ça s'est fait, quoi. Ah, super, comment elle s'appelle? Noémie, elle s'appelle Noémie, mais hey, je te la présenterai. Hein. Ah bah, j'espère bien. Mais alors, t'as zappé Alexandra, pourtant j'avais l'impression qu'elle te plaisait bien. Attends, j'allais pas gâcher mes chances de rentrer au MRC à cause de cette fille. Bon, tu me prends pour une andouille, Michael? Ça dure depuis combien de temps entre Alexandra et toi? Puisque je t'ai dit que je l'ai pas revue, pourquoi t'insistes comme ça? Oui, eh ben j'espère que c'est vrai, parce que si Adrien l'apprend, on court à la catastrophe, hein. Arrête, puisque je t'ai dit qu'il s'est rien passé et qu'il se passera d'ailleurs jamais rien. Hein? N'insiste pas. Bon, maintenant tu m'excuses, mais faut que j'y aille. On me prend pour une andouille. Bon, j'espère qu'il y a que moi qui ai compris. Bon, c'est bien clair pour tout le monde. On a tous bien enregistré comment on doit jouer demain pour les battre. Oui, oui, coach. Et maintenant, on va aller dîner. Et à 22h pétante, je veux tout le monde dans sa chambre en train de dormir. Et si je chope un petit malin qui essaie de quitter l'hôtel pour aller retrouver sa petite copine, je le vire illico presto, c'est bien compris? Oui, coach. Bon, est-ce maintenant les chambres. Joséphine, à propos pour les chambres, je suis désolé, mais on a que des chambres doubles. Il va falloir que tu partages avec l'un d'entre nous. Le petit vénard va pouvoir se ramasser toute la nuit. Et Joséphine va surtout pas avec Jean-Marc, hein. Il ronfle comme une locomotive à vapeur. Non, mais laissez tomber, les gars. Joséphine vient avec moi ce soir. Il se passe quelque chose de spécial entre nous. Ah non, mais c'est pas du tout ce que vous croyez, hein. C'est pas... Enfin... Non, c'est pouf. Après une faute de Parissé, ça passe de nouveau pour Elissald. 26 à 13, ce sera aussi le score final. Hé, hey, tu ferais mieux de dormir au lieu de jouer à ton zigouzoui, là. Je suis trop excité pour dormir. J'arrive pas à croire que demain, je vais jouer mon premier match pro. Allô? Ouais? Non, je peux pas. Ok, j'arrive tout de suite. C'était Eric. Il a encore fait une connerie, il a tenté un cambriolage et... le proprio l'a blessé à la jambe. Mais il est où, là? Il est planqué dans le jardin d'un voisin. Mais les flics vont arriver. Mais attends, t'as pas le droit de sortir, t'as entendu ce qu'a dit Denis? C'est mon frère, et j'ai promis à ma mère de veiller sur lui. Bah, la dernière fois que t'as veillé sur lui, t'as fait un an de tôle. Et je te rappelle que t'es à la veille d'un match important pour ta carrière. Je sais, mais j'ai pas le choix. Bon, bah, je viens avec toi. Non, tu peux pas, regarder encore en pyjama. Oui, bah, je me change très vite, tourne-toi. Tourne-toi. Bon, allez. Comment t'as fait? Faut qu'on trouve un taxi. Ah non, on va pas piquer un scooter quand même. Ah ouais, parce que tu connais un autre moyen de te déplacer rapidement, toi? Bah oui. Bah non, Il me faudrait une pince ou un truc en métal. Oh, on dirait que le cadenas est ouvert. C'est pas les clés qui sont sur le... Non, le bol. Allez. Non, Michael, je te préviens, c'est exceptionnel. Complicité de vol de scooter. Allez, monte. Les cœurs sont déjà là. Mais on peut pas y aller. Non, j'y vais quand même. Mais on va se faire repérer. Je vais essayer de les contourner. De toute façon, je peux pas laisser tomber avec. Bon, maman non plus. C'est quoi ça? Eric! Eric! Je suis là!
Pourquoi tu l'as ramené, celle-là? Tu crois que ça m'amuse d'être là? De toute façon, c'est pas pour toi que je suis là, c'est pour ton frère. C'est bon, on n'a pas le temps de s'engueuler. Tu peux marcher? Ouais, mais il faut que tu m'aides. Prends le sac, il y a tout ce que j'ai pu chourer dedans. Je m'en occupe du sac, allez-y vite. Putain, moi je veux bien être complice, mais faut pas exagérer quand même. J'ai filé un bon coup de tisanier à ce crétin de voyou là. Ah, doit pas être bien loin. Vous en faites pas, j'ai des hommes qui bloquent la rue. Il sauvera pas. Mais comment il est rentré? Mais il a pété un carreau, ce con là. Il a cru qu'il était tout seul dans la maison là. Et après, il a été arraché. On va faire un peu de rangement. Venez, venez, vous allez voir. Ah bah je comprends pas, tout est là. Même l'argent. Ah bah je comprends vraiment pas là. Mais qu'est-ce qu'on vous a volé? Ben je... rien. Alors y a pas eu de cambriolage ici? Ça va pas nous déranger pour rien. Je vous préviens, ça va vous coûter vraiment cher. Mais voyez plutôt cette fenêtre. Vous vous fichez de moi? Elle a rien cette fenêtre. Bon, c'est perdu de temps. Police, arrêtez-vous immédiatement. Je vais leur dire que t'es pas dans le coup. T'as raison, ils vont sûrement te croire. Normalement, ça devrait s'arranger. Ouais, ok, bien reçu. Non, non, laisse-les, y a pas eu de cambriolage. En fait, le proprio, c'est un mytho. Eh bah tiens, qu'est-ce que je disais? Ok, c'est bon. Mais restez pas trop dans le coin, quand même. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur. Il devient bien élevé, lui. Dans peu de temps, je vais avoir droit au baisement. Comment t'es arrivé aussi vite? Je me suis débrouillée. Mais le sac? Il est où le sac? Je l'ai plus ton fichu sac. J'ai réussi à rendre toutes les affaires au propriétaire avant qu'il t'envoie en tôle avec ton frère. Mais comment t'as fait? C'est mon problème. Tu te rends compte que t'as encore failli payer à cause de lui? Alors toi, écoute-moi bien, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu la rates. Mais arrête d'entraîner ton frère la veille d'un match important pour lui et pour son avenir. Mais putain, ça fait mal. Je vais t'emmener à l'hôpital. Non, c'est pas la peine. Maman m'accompagnera. Je compte plus qu'un match de rugby pour elle. Ah, t'inquiète, ça va aller, c'est bon. Allez, hop, on va pas l'amputer. Oh! Dédé, c'est le petit nouveau qui joue à l'arrière. Il est pas bien, la Roche. Faire jouer un gamin sans expérience contre une équipe pareille. Stade Piterra va lui offrir un sacré baptême du feu. Et ça peut nous faire mal. Ça nous fera toujours moins mal qu'à lui. Qu'est-ce qu'il va déguster, le pauvre? Ceux d'en face, on les connaît, c'est des vrais brutes. Alors s'ils nous provoquent, on ne répond pas. Manu, tu te tiens à carreau aujourd'hui, c'est compris? Et toi, Pierre, tu me joues les putains de bons ballons, ok? Écoute. Ils vont tout miser sur leur force, ça c'est clair. Mais nous, on va les prendre de vitesse. Avec Adrien, Alex et Michael sur les ailes, on va les battre. On va les battre! Oui? Ok, okay, coach, ok, coach. Bon allez, c'est l'heure les gars. Échauffement sur le terrain. Allez, allez, allez. Allez, allez. Échauffement. Allez, on y va, allez. On dirait qu'il lui brûle les doigts, son portable.
J'en étais sûre. Bon, qu'est-ce que je fais, moi? Il reste quelques minutes avant le match. Alexandra, qui c'est qui est au courant pour Michael et toi? Mais de quoi tu parles? Arrête, je sais très bien que vous êtes ensemble. Mais comment tu l'as appris? Aucune importance. Qui c'est pour vous deux? Personne à part toi. Et Adrien? Non, 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 je suis sûre que non. On a fait très attention. Oui, eh ben il vaut mieux parce qu'autrement, Michael est en danger. Match Maillers Stade Biterrois vient tout juste de commencer. C'est, je vous le rappelle, le match de la dernière chance pour Maï. Et c'est le Stade Biterrois qui a donné le coup d'envoi et qui se retrouve maintenant dans le 40. Passe hasardeuse du troisième ligne, Gaston Debongo pour Mickaël Dabo, son arrière. Le jeune Dabo est plaqué par deux adversaires. Il va avoir du mal à libérer le ballon, d'autant que personne de son équipe ne vient à son secours. Et c'est la pénalité. Qu'est-ce qu'ils foutent? Michael était tout seul. Il n'a pas le droit de faire des erreurs pareilles, merde. C'est pas une erreur. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Adrien fait semblant d'accepter Michael. En fait, il veut se venger d'Alexandra et toute une partie de l'équipe est avec lui, là. Tu déploies complètement, là. Le buteur biterrois s'apprête à tirer. Pénalité réussie. 3-0 pour Béziers. Passe du demi de mêlée biterrois à son ouvreur. Coup de pied à suivre dans le dos de la défense de Mailly. Adrien Bonat prend cette balle. Le ballon et laisse son arrière Mickaël Dabo le récupérer. Allez. Mais déjà la défense biterroise est sur lui. Mickaël Dabo est en difficulté, il a bien son partenaire Adrien Bonat à ses côtés, mais celui-ci ne bouge pas, personne d'autre ne vient le soutenir, c'est carrément incroyable. Mais impliqué, merde. Il est moi, putain. Il va lui briser le dos. Michael est en danger, faut que tu le fasses sortir tout de suite. Mais ça va pas, non? Je vais pas prier de Michael. Maintenant, ce match, il faut qu'on gagne. Alors t'es prêt à sacrifier quelqu'un juste pour tes ambitions d'entraîneur? Arrête. Mais vas-y, là. Oui. J'ai pris mon sac. Oh. Ça va? Adrien t'a piégé. Lui et ses copains, ils vont te laisser te faire massacrer. C'est pas vrai. Je fais partie de l'équipe, hein. Ils peuvent pas me faire ça. Non, il t'a trahi, il faut que tu sortes. Sors. Je vais t'en crever. C'est bon. C'est pas possible, Adrien aurait jamais fait ça. Moi non plus, j'y croyais pas, mais faut se rendre à l'évidence. Bon, vous allez rappeler Michael maintenant? Non, on attend la fin de la première période. Non mais là, il... J'ai dit qu'on attendait. Pour Mailly. Bonne prise de balle du numéro 8. Le demi de mêlée lance l'attaque de ses trois quarts. Et Mickaël Dabo reçoit le ballon et le passe à son capitaine qui ne le touche pas. Putain, mais c'est quoi cette passe? Adrien Bonat n'a pas attrapé la balle de Dabo alors que la passe était parfaite. La mésentente des joueurs du MRC est flagrante. Et résultat, un essai pour le Stade Biterrois qui vient maintenant tenter la transformation. Transformation réussie, 7 points de plus pour Béziers qui mène 10-0 sur le terrain de Mailly. Il était bon mon ballon, pourquoi tu l'as pas attrapé? Pauvre con, va. T'as toujours pas compris? Tu fais pas partie de l'équipe. T'es qu'une erreur. On va vite te corriger. Va. Enfoiré. Ce qu'il y a, hein? C'est bon, hop. Si tu veux. Allez, oh. Derrière la ligne. Tiens. Décidément, rien ne va plus au MRC. Le capitaine et son arrière en sont venus aux mains. L'équipe marche sur la tête. Mi-temps. J'ai cru que ça finirait jamais. Michael. Je vais te faire remplacer en seconde période. Non, je veux continuer. Désolé, petit. T'as fait ton maximum, mais les joueurs sont contre toi. C'est dégueulasse. Je sais.
Je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils m'avaient accepté. Ils ont tout fait pour que tu le croies. Tu sais quoi, c'est fini. Je croirai plus jamais rien ni personne. J'ai vraiment été trop con de penser que j'avais un avenir. Il n'y en a pas pour les mecs comme moi. Non. Je sais vraiment pas comment vous avez pu vous comporter d'une manière aussi dégueulasse, Adrien et Manu. Non seulement vous avez trahi l'équipe, là, mais vous avez trahi toutes les valeurs du rugby. Et en plus, grâce à vous, on est en train de perdre ce putain de match. Je vous avais dit de rien faire contre Michael. Oh, ça va, toi. On voulait juste lui donner une petite leçon. Ben, à votre place, je resterai ici pour la seconde mi-temps. J'aurais trop honte pour retourner sur le terrain. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. C'est vrai, je voulais me débarrasser de Michael. Je croyais qu'il allait se blesser au début du match ou qu'il allait demander à être remplacé, seulement... Seulement il a tenu bon. Pourtant, je vous rassure, il a très vite compris que vous l'aviez trahi. Hein. Il aurait pu abandonner. Mais il a tenu 40 minutes. 40 minutes de souffrance parce qu'il pensait que son courage forcerait votre respect. Michael est un brave, ce qui n'est pas le cas de vous tous ici. Hein. Et ce qu'il a enduré aujourd'hui, peu de vous seraient capables de l'endurer. Mais c'est bon. T'as gagné, Adrien. Il abandonne. T'as enfin réussi à te débarrasser de ce grand joueur, de son courage, de ses rêves insensés. Je crois bien que j'ai merdé, là. Eh ben ça, tu peux le dire. Et ce match, on va le perdre à cause de toi. Non, non, on peut encore se reprendre. Et après ce qui s'est passé, le Stade Biterrois est en confiance. Nous, on a perdu notre âme. Alors, à nous de la retrouver. Allez. Je sais que j'ai pas d'excuses. Je vais sûrement être viré après ce match. Mais j'ai une dernière faveur à te demander. Joue la deuxième période avec nous. Si t'es là, on peut gagner. Fais-le pour l'équipe. Les joueurs sont de retour sur le terrain. Contrairement à ce qu'on attendait, il n'y a pas de remplacement côté MRC. Espérons que ces joueurs sauront faire preuve de plus d'unité qu'en première période. Car je vous le rappelle, en cas de défaite, le club sera relégué. Attention, c'est parti. Belle récupération du demi d'ouverture de Mailly qui slalome à travers la défense bitéroise. C'est une mêlée ouverte. Avantage. Pénalité pour Mailly. Si Michael Dabo transforme cette pénalité délicate, le MRC marquera. Tiens, Michael, enfin ses trois. Je sais que t'en es capable. C'est dire toute la responsabilité qui pèse sur les épaules du jeune joueur. La balle s'élève et passe. Mailly 3, Béziers 10. Touche récupérée par Mailly. Face au pied du demi d'ouverture à son capitaine Adrien Bonnade en bout de ligne qui déborde toute la défense bitéroise. Une accélération fulgurante et qui marque.
magnifique essai du capitaine du MRC à ce moment crucial du match. Le MRC qui n'est plus mené que 8 à 10. Mickaël Dabo va maintenant tenter une transformation en coin. Encore un coup de pied très difficile. Beaucoup de pieds, le ballon part bien, le ballon passe entre les poteaux. 10 à 10, égalité entre les deux équipes pour son premier match. Mickaël Dabo a réussi un sans faute. Ça balle pas trop vite, hein. Il reste encore 20 minutes à jouer et le match est loin d'être gagné. Tu m'énerves. Ça commence vraiment à sentir la victoire. Ah mais c'est bon. Tiens, je me rappelais même plus ce que ça faisait depuis le temps. Merci pour la passe. Tu m'as fait briller sur ce coup-là. Merci à toi, Mickaël. Bravo, on te doit une fière chandelle. Bravo. Toi, t'as de la chance qu'on ait gagné. Mais ce que t'as fait, je peux pas l'accepter. Je sais bien que vous pouvez pas me garder après ce match. Je voulais juste que vous sachiez que je l'ai aimé, ce club. Mais comment t'as pu le déshonorer de cette manière? Écoutez, j'ai fait suffisamment de conneries dans ma vie pour savoir qu'on a tous le droit à une seconde chance. Alors laissez-lui sa chance, s'il vous plaît. Tu peux le remercier, il vient de sauver ta place et peut-être même ta carrière. Et je te préviens, t'as intérêt à plus jamais me décevoir. Merci, Mickaël. T'es un mec bien. Même si j'ai mis du temps à le comprendre. T'en fais pas. Moi non plus, je pouvais pas te saquer au début. Ah non, 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 ah ben non, mais j'ai jamais fait ça. Bon. Je savais pas que tu t'y connaissais en haka. Ah, moi non plus. Chamaté, chamaté. T'étais là? Ouais. Pendant tout le match. Et je t'ai vu encaisser les coups comme un vrai dur des saules. Ouais. C'est toi qui m'as pris, hein? Non, petit frère. T'es un putain de bon joueur. T'avais raison d'y croire.
Tu penses vraiment? Je suis fier de toi. Bon, tu vas te ranger des voitures maintenant, toi aussi, hein? Pour ça, j'aurais besoin de quelqu'un comme toi, qui m'aide. Non, t'as tout ce qu'il faut, là-dedans et là-dedans. Comment tu sais ça? Ah, pour ça, elle a un pif d'enfer. Oh, j'aime pas ce mot. En tout cas, l'enfer, j'en sors tout juste, crois-moi, je suis pas prêt d'y retourner. Bon, allez, venez tous les deux. Jamais un match ne m'a procuré autant d'émotions contradictoires. La peur, la honte même. Et puis en seconde période, l'enthousiasme, la ferveur, la passion. Au cours de ce match, les joueurs du MRC n'ont pas tous été irréprochables, mais l'un d'entre eux a mérité notre respect, notre admiration, de la première jusqu'à la toute dernière seconde du match. Il y a peu de jours, ce jeune homme était encore un inconnu. Il est aujourd'hui l'honneur et la fierté du MRC. Un grand professionnel que nous sommes fiers de compter parmi nous. Un brave parmi les braves. Genre d'être en retard. Ah, j'étais sûre que tu viendrais. J'allais pas te laisser repartir comme ça. Et puis je voulais savoir, comment t'as trouvé ton séjour en Ovalie? Très intense. Beaucoup d'émotions, de sang, de larmes. Mais t'avais raison, ça valait le coup. Tiens, c'est pour toi un souvenir. Merci. Bon ben... Adieu ma Joséphine. À bientôt. Je m'y ferai jamais.